Bien, Steve Nardon, si on vous avait dit qu'aujourd'hui vous viendriez mettre 35 points au Serre, vous l'auriez cru ? On s'attendait 35 points, non, on s'attendait à un match serré, vu leurs résultats. C'est une équipe qui est accrocheuse, on l'a vu sur le terrain, hein, qui n'a jamais rien lâché. On a eu un gros passage à vide en seconde mi-temps, ils en ont profité. Mais c'est accrocheur, c'est bon dans le combat, c'est bon sur les fondamentaux. Donc on a quand même réussi à chaque fois à sortir la tête de l'eau et à marquer quand il fallait. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. La qualification, elle est déjà en poche ? Non, tant qu'on n'aura pas joué le match, mais au vu de ce qu'on on part avec des certitudes d'Auxerre, et eux, ils en avaient avant de nous recevoir, et maintenant, nous, c'est à nous de les avoir, les certitudes. Il va falloir qu'ils viennent gagner à Cognac. La grosse satisfaction, c'est qu'on attendait un gros pack de devant côté Auxerre, et puis c'est vous qui les avez finalement dominés en première mi-temps. Hein. Ouais, mais comme souvent, à chaque fois, depuis 2-3 ans, où on a annoncé un pack un peu léger par rapport aux autres, on s'aperçoit qu'on arrive... par le travail d'équipe, par la cohésion, par l'organisation, et à s'en sortir. Parce que c'est aussi une histoire de construction, notamment sur les malls. Donc, c'est des choses qu'on maîtrise. Et puis, il y a 4 essais marqués à l'arrivée. Ouais, il y a 4 essais. Ouais. C'est dommage qu'on en prenne 2. Hein. Je crois que c'est la première fois de la saison qu'on va prendre 2 essais. Hein. Donc, ils ont aussi jamais fermé le jeu. Ils ont relancé, ils ont essayé de jouer. Ils nous ont pris sur des ballons de récup. Il a fait un super beau temps. Il a fait chaud, c'était dur. Un bon premier match de phase finale. Ouais.